Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en cuisine pour une vidéo nutrition où je vais vous proposer une journée type de ma diète prise de masse actuelle. Diète qui a subi des modifications par rapport à celle que j'avais tenue l'année dernière sur ma dernière prise de masse. Modifications que nous allons voir ensemble. Encore une fois, pour éviter que cette table ressemble à un banquet, cette vidéo sera scindée, sera divisée en trois parties. Lors de la première, j'aborderai mon petit déjeuner, mon pré-workout, mon intra-workout et mon post-workout. En deuxième partie, on verra mon déjeuner et ma collation de l'après-midi, pour finir par le dîner et la collation du coucher. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ces festivités. A tout de suite. Allez, nous allons commencer de suite cette journée type par le petit déjeuner. Alors, qu'est-ce que je mange le matin au réveil? En plat principal, la traditionnelle galette. Galette qui sera constituée de 100 g de flocons d'avoine, de 6 blancs d'œufs et de 4 jaunes, car oui, il m'arrive de manger les jaunes. À ça, je rajoute un petit peu de lait d'amande, histoire que la galette ne soit pas trop sèche. Et comme vous pouvez le voir, hein, j'aime l'agrémenter de fruits. Là, en l'occurrence, il s'agit d'ananas, que je mange à hauteur de 4 tranches. En plus des jaunes, au niveau source de lipides, hein, je mange de la purée d'amande. J'en mange 20 g. Au niveau supplémentation, un cocktail en multivitamine, 1 g de vitamine C et une gélule d'oméga 3. Alors pour ceux qui s'interrogent encore sur l'intérêt, le rôle des compléments que je vais citer et que je cite, je vous invite à tout simplement aller voir ma vidéo sur mon top 5 des compléments en musculation pour avoir des informations beaucoup plus précises quant à leur rôle respectif. Voilà, le petit déjeuner est terminé. En règle générale, je m'entraîne 2 heures après. Une demi-heure avant, je prends mon pré-workout. Pré-workout qui sera constitué d'un pré-workout tout fait, auquel j'ajouterai 5 g de BCAA. Ensuite, je vais m'entraîner et durant ma séance, en intra-workout, je bois généralement de l'eau, auquel j'aurai mélangé 30 g de Carbonox, hein, cette source de sucre qui va permettre de ralentir la déplétion glycogénique, et également 10 g de BCAA. Mon entraînement est terminé. À la suite de quoi, je vais prendre mon post-workout, mon post-entraînement, qui sera constitué en source de sucre de 150 g de riz blanc, auquel je prendrai en parallèle, avec lequel je prendrai en parallèle un shaker constitué de 40 g de whey protein, dans lequel j'aurai mis 5 g de BCA, 5 g de glutamine et 5 g de créatine. Il ne reste plus qu'à attendre avant de passer au déjeuner. 1h30, 2h se sont écoulées depuis la prise de mon post-workout. Il est temps de passer au déjeuner. Déjeuner qui sera constitué de 250 g de riz basmati, de 100 g de carottes et de 200 g de dinde grillée, auquel j'ai ajouté un petit peu d'épices histoire de donner un peu de goût. Au-dessus de tout ça, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de lin qui reste une des meilleures sources en oméga 3. Alors, je tiens à signaler qu'une fois par semaine, je substitue la viande blanche par de la viande rouge, mais très maigre. Ça peut être par exemple du steak de bœuf à 5%. Au niveau supplémentation, 1 g de vitamine C. 3h, 3h30 après, il est temps de passer à la collation de l'après-midi. Alors pour cette collation de l'après-midi, hein, deux options s'offrent à moi. Option numéro 1, lorsque j'ai le temps de cuisiner, et surtout lorsque je n'ai pas la flemme, je me fais une deuxième galette. Galette qui cette fois-ci ne sera pas constituée de flocons d'avoine, mais de son d'avoine, dont l'indice glycémique est beaucoup plus bas. Donc 100 g de son d'avoine, 6 blancs d'œufs cette fois-ci, pas de jaune. Un petit peu de lait d'amande pour que la galette ne soit pas trop sèche. Et j'ajoute 15 g de whey pour compléter mes macros, mais surtout pour donner un petit peu de goût. Et enfin, 200 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Option numéro 2, cette fois-ci, je n'ai pas le temps de cuisiner, mais surtout, j'ai la flemme. Alors cette fois-ci, je prendrai 200 g de quinoa nature, 6 blancs d'œufs, toujours un petit shaker de 15 g de whey, et ces fameux 200 g de compote de pommes sans sucre ajouté. 3h, 3h30 après la collation de l'après-midi, il est temps de passer au dîner. Dîner qui sera constitué en protéines de 250 g de saumon, hein, qui reste un poisson gras très intéressant, hein, très riche en oméga 3. Au niveau des glucides, 300 g de lentilles, hein, légumineuses à un indice glycémique assez bas et très riche également en protéines. Et en plus, 100 g de brocoli. Alors je ne présente plus le brocoli, hein, ce power food par excellence. Il est à noter que je consomme du saumon uniquement 2 fois dans la semaine. Le reste du temps, je consomme des poissons plus maigres, tels le cabillaud ou le colin. Au-dessus de tout ça, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de colza, hein, qui, à mes yeux, reste une des huiles avec l'huile de lin les plus intéressantes, de par son parfait équilibre en termes d'oméga. 3h, 3h30, c'est-à-dire une demi-heure généralement, avant d'aller rejoindre la fée sommeil, je prends ma collation du coucher, hein, qui sera constituée d'un shaker de 40 g de whey, de caséine, pardon. La caséine, je vous rappelle, hein, protéine assimilation lente, qui est parfaite avant d'aller se coucher. Et avec ça, je prendrai 20 g de purée d'amande.
Et voilà qui conclut cette journée type de ma diète prise de masse actuelle, un journée type parmi tant d'autres, hein, comprenez par là que le menu que je viens de vous présenter n'est pas celui que je mange tous les jours. Je tiens à préciser une dernière chose, hein, toutes ces quantités que je viens de dénoncer, toutes ces macros ont été calculées par rapport à ma personne, hein, comprenez par là par rapport à mon poids de corps, à ma proportion de masse musculaire sèche, mais également au volume hebdomadaire de travail que j'effectue, qui est assez conséquent, voire même très conséquent, mais également par rapport à mon métabolisme. Donc je vous déconseille de faire un bête copier-coller, vous risqueriez de ne pas avoir les effets escomptés, voire même l'inverse. Utilisez plutôt cette journée type comme un guide pour élaborer vos propres menus, hein, si vous êtes un petit peu en mal d'inspiration. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis, hein, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier d'un coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens à rappeler à nos amis lyonnais et lyonnaises, hein, que l'Enzo Tour passe chez vous le samedi 30 à 14h au Fitness Park Confluence. Donc voilà, je serai accompagné de Théo le guerrier. Nous avons hâte de vous rencontrer. Donc voilà, le rendez-vous est pris samedi 30 au Fitness Park de Confluence. Donc voilà, je vous souhaite à tous de très très bons entraînements. Bon appétit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.